tous. Aujourd'hui, nous sommes dans le jardin japonais et je vais vous parler de l'érable Sangokaku, qui est un érable exceptionnel qui résiste énormément à la chaleur du sud de la France. Voilà, c'est toujours très surprenant lorsque je dis que je vis dans le sud, dans le pays d'Aix-en-Provence, et que j'ai ces collections d'érables. Donc le Sangokaku a un feuillage qui est vert chartreuse au débourrement. Mais la particularité de ce merveilleux érable, c'est son bois. Il a un bois qui est rouge, comme vous pouvez le deviner. Et en hiver, c'est un sujet qui est très très présent, malgré qu'il n'a plus de feuilles. Mais son bois rouge le rend superbe. Voilà. Alors je voulais donc vous parler de cet érable-là, qui atteint des hauteurs entre 6 et 8 mètres, il me semble. Je n'ai plus vraiment les chiffres en tête. Très facile à vivre chez nous, à condition qu'il ait un substrat qui retient bien l'eau, comme ici une terre argileuse, et de l'eau, surtout un bon arrosage journalier lorsqu'il fait très très chaud. Voilà, donc n'ayez pas peur d'installer des érables dans le sud, il leur faut juste un bon emplacement et surtout de l'eau, beaucoup d'eau. Celui-ci, je tiens à préciser qu'il est quand même planté plein sud et qu'il a le soleil toute la journée à partir de 11h à peu près, voilà, jusqu'au soir. On parlera des autres sujets car il y en a d'autres ici, je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors celui-ci, retenez bien son nom. C'est le magnifique érable Sangokaku.